Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Spaceland. Donc c'est un glitch qui consiste à faire freeze les zombies. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les zombies sont figés et ils ne bougent pas. Ils spawnent et puis ils ne bougent plus. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc après, regardez, je vais un peu avancer. Là on peut voir que les zombies ils bougent pas, donc je les allume. Regardez, même les clowns ils bougent pas. Donc voilà, c'est stylé aussi. Alors le Brutus non plus il bouge pas. Enfin s'il bouge, vous allez voir, attendez, j'avance un peu. Voilà, regardez, il bouge mais vers le haut en fait. Il va juste monter quelques centimètres par quelques centimètres. Puis à un moment quand il arrivera tout en haut, et ben là il va respawn à un autre endroit et il va revenir quoi. Il va pas disparaître, à chaque fois il va respawn quoi. Comme s'il était trop loin de vous, donc voilà. Alors pour faire ce glitch de ouf, c'est parce que c'est vraiment un glitch de ouf, ça va être très compliqué en fait, c'est délicat, c'est pas un glitch que vous allez réussir à tous les coups en fait. Donc là je vais vous mettre un moment de la vidéo où j'y arrive, voilà. Donc je vais mettre pause et tout pour bien vous expliquer. Donc première chose à faire, déjà c'est, attendez, on va attendre que la vidéo soit au moment. Donc là ok, voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'appuie pas sur X? Donc ouais, vous l'avez compris, c'est un commentary parce que j'ai réussi qu'une seule fois et je me suis pas pris la tête pour le refaire. Donc regardez. Ah merde, là je suis en partie publique. Donc, déjà il va falloir faire comme moi, aller en partie publique, trouver des personnes, voilà. Mais avant d'aller en partie publique, ce que vous allez faire... Attendez. Ok. Voilà, partie solo. Voilà, c'est ça que je veux. Oh mon dieu. Voilà. Vous voyez ici en bas, il est marqué en attente. Ça veut dire que la map, elle a déjà été chargée en fait. Donc il va falloir obligatoirement, la première étape que vous devez faire, c'est aller en solo pour charger la carte. Que par exemple, si vous allez dans choisir film ici et que vous mettez Rêve in the Redwoods, et bien là vous allez voir qu'il va être marqué en attente chargement. S'il est marqué qu'en attente comme ça, ça veut dire que c'est bon, la map elle est chargée. Et ça c'est la première étape du glitch qu'il faut impérativement faire. Parce qu'en fait, il va falloir passer la cinématique, donc il va falloir lancer la partie en solo, passer la cinématique directement pour pouvoir que le glitch marche. Donc pour passer la cinématique directement, il faut que la map soit chargée. Donc là elle est chargée. Donc quand elle est chargée, vous allez voir. Donc, attendons. Donc là, elle est chargée, hein, on voit bien. Donc là, j'attends. Donc là, je quitte le salon. Donc c'est en partie solo. J'ai pas essayé en partie personnalisée, mais je pense qu'il faut aller en partie solo. Après, je vais en partie publique, tout simplement. Puis là, j'attends. J'attends que je rejoins des gens. Mon dieu. Voilà, je suis en partie publique, voilà. Voilà. Play. Merci. Voilà, là j'ai trouvé des gens. Donc je quitte directement, hein. Vous quittez dès que... Pas besoin d'aller dans la partie avec eux. Hein. Ça c'est la deuxième étape. Bon, je vous assure pas que vous allez y arriver tout le temps. Mais voilà, c'est faisable. Avec de la persévération, je sais pas comment on dit. La persévérance, voilà. Vous allez y arriver, donc il va falloir essayer plusieurs fois parce que moi j'ai essayé, regardez la vidéo, j'ai réussi genre à 24 minutes, donc il m'a fallu 24 minutes pour réussir ce glitch. Hein. Et il y a un petit conseil que je peux vous donner, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il faut le faire pendant la nuit parce que la journée, il y a trop de monde est connecté, donc ça fonctionne pas, c'est plus difficile de le faire en journée qu'en soirée, donc faites-le en soirée. Donc voilà, je me répète, première chose c'est aller en partie solo, charger la map, puis après aller en partie publique, trouver des gens. Donc voilà, moi j'ai 3 personnes. Après, regardez, je quitte le salon, je vais en solo, je fais ami, donc j'appuie sur triangle, donc je vais dans ami, puis après je vais dans joueur récent, et regardez, il y a Jean420, Pro Gaming Boy, et Cian Karata, Garbag là. Et ben voilà, je vais essayer de rejoindre un de ces 3 types là. Donc là je vais essayer. Mais vous voyez il y a un petit cadenas. Donc là il faut que j'attende en fait. Il faut attendre que le cadenas soit déverrouillé. Dès que le cadenas est déverrouillé, vous allez voir, je vais essayer de le rejoindre.
Donc ça va prendre un petit temps parce que. Parce que ben voilà. Hein. Voilà, là je vais pouvoir le rejoindre. Donc je vais cliquer sur rejoindre. Voilà. Et là vous voyez, j'ai directement la barre de chargement qui va s'afficher. Et je vais pas attendre qu'elle s'affiche. Je vais directement appuyer sur rond. Vous voyez, j'ai quitté, j'ai fait rond. Après, quand vous avez quitté, quand vous avez annulé le truc, vous retournez dans zombie. Mais ça, faut faire ça vite, hein, les mecs. Vous retournez en zombie. Vous allez dans partie solo. Vous lancez la partie directement. Vous voyez, c'est en attente. La carte, elle est chargée, donc tout va bien. Et là, vous passez directement la cinématique. Et pour savoir si ça a fonctionné, vous allez voir, vous attendez à les années 80, nanana, vous attendez. Moi, je crois que j'avais raté parce que j'avais pas lu le message. Mais vous allez voir, il y a un message qui va s'apparaître. Voilà. L'autre ne répond pas. S'il est marqué ce message, c'est que vous avez réussi. Si par exemple, le message, il est marqué, la partie est complète. Plus de place, plus disponible. Il faut que ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'en fait, le zombie va pas spawn. Donc l'autre ne répond pas. S'il est marqué l'autre ne répond pas, c'est que ça a fonctionné. Après, vous devez aller où je suis. Donc vous faites demi-tour, vous allez dans la pièce où je suis. Et là-bas, au bout, on le voit pas bien. Attendez, on va peut-être le voir. Attendez. Voilà. Voyez, on le voit, mais vraiment un petit peu. Je sais pas si vous le verrez. On le voit un peu. Voilà, c'est vraiment dans l'ombre. Et vous voyez bien que quand je tire, je fais des hit markers. Donc ça veut dire que je touche un zombie. Alors il faut savoir qu'à la manche 1, il y a 6 zombies. Enfin, il va falloir les tuer tous les 6 comme ça. Donc ça, c'est un peu plus. Les grenades, ça marche pas. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Parce que voilà, c'est délicat. Il va falloir essayer de les tuer tous les 6. Donc moi, je vais essayer avec mon petit gun, mais je vais pas y arriver. Donc je vais aller prendre une M1. Donc je tiens aussi à remercier, parce que ouais, j'ai oublié de faire la petite dédicace, donc désolé. Je fais une grosse dédicace à Trash Dead qui m'a bien expliqué les choses, donc je mettrai son lien dans la description. Son lien de sa chaîne dans sa description, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc il m'a bien appris à faire le glitch, donc c'est avec lui que je l'ai réalisé, là on est en vocal. Et je tiens à remercier aussi Hugo. Parce que Hugo, il a essayé de me le montrer plusieurs fois, mais bon, j'étais pas disponible, j'avais pas vraiment le temps. Donc vraiment désolé pour toi, poteau. Mais voilà, grosse dédicace à lui aussi. Je pense qu'il a pas, non, il a pas de chaîne YouTube, donc grosse dédicace à toi. Je mettrai son PSN en description si jamais vous voulez lui parler ou l'inviter ou, enfin voilà quoi. Je mettrai son PSN en description. Donc grand merci à Hugo. Donc voilà. Alors. Là, vous allez voir, je tue les zombies tout simplement. Donc voilà, ça c'est le plus chiant. Dès que vous allez avoir assez d'argent pour ouvrir la première porte, là après ça va être que du bonheur. Mais ce qui est bien aussi, c'est que si vous ouvrez la porte, tous les zombies spawneront dans la zone où vous êtes. Donc vous pouvez ouvrir toutes les portes de Spaceland et vous pouvez aller partout. Les zombies vont pas spawn genre. Aux fontaines, si vous êtes à la fusée, vous voyez ce que je veux dire, ils spawneront tous à la fusée, donc voilà, c'est ça, c'est parfait. Tu vois. Donc là, je vais juste encore tuer un ou deux zombies, je crois. Bah, avec deux zombies, je crois que j'aurai assez, et je vais aller ouvrir la porte. Voilà, il faut tirer dans le sombre là-bas. Les zombies, ils spawnent tout le temps à la même place. Ah, il m'en faut encore un kill, et puis je vais pouvoir ouvrir. Donc, voilà. Voilà, là j'ai 760, je vais ouvrir directement. Et là, ça va être mieux parce que les zombies, je vais pas galérer à les tuer, vous allez voir. Bah, attention, comme vous l'avez vu en début de partie, hein. Regardez, voilà, il spawn ici, hop, et il bouge pas. Je pense même que je peux me coller à lui et il me frappe pas. Je crois. Ouais, je me colle à lui et il ne me frappe pas. Ah si, il me frappe. Donc voilà, le seul truc que vous pouvez pas faire, c'est vous coller aux zombies. Parce que si vous collez aux zombies, vous avez vu, ils me mettent dans le rouge, donc ils me touchent. Mais après, vous êtes tranquille, hein, vous faites ce que vous voulez avec ça, avec ce glitch. Bon, après, pour le réussir, je sais pas si ça fonctionne en partie personnalisée. Faudrait essayer. Si toi, tu sais ou que tu as essayé que ça fonctionne, dis-le dans les commentaires. Après, je sais pas si c'est faisable avec Rave in the Redwood. Je pense que c'est réalisable, mais je sais pas comment faire. J'ai jamais essayé. Mais si toi, tu y arrives aussi, mets-le dans les commentaires, ta technique, comment tu fais. Comme ça nous aidera à nous aussi de pouvoir le faire.
Donc si t'as une meilleure technique aussi, une meilleure solution pour réussir. Moi j'ai vu des Américains le faisaient en essayant de rejoindre des potes en multi. Donc, ça avait l'air de fonctionner aussi. Donc moi je vous ai montré cette technique là, mais ça se trouve il y a plein d'autres techniques pour le faire. En tous les cas, il vous faut absolument le message « l'autre ne répond pas ». Si le message n'est pas dit « l'autre ne répond pas », ça ne fonctionnera pas. Après, ce que vous pouvez faire avec ce glitch, je pense que vous pouvez faire le secret. Si vous faites le secret avec ce glitch, je pense que... si vous faites le secret avec ce glitch, je pense qu'il n'y aura pas... les aliens, je pense qu'ils ne bougeront pas. Normalement, ils ne bougeront pas. Hein. Donc voilà, c'est... voilà. Je crois que si vous voulez faire le secret avec ce glitch, vous le ferez easy. Par contre, le CityCom, je sais pas comment ça va se passer non plus. Il faut essayer. J'ai pas essayé, mais ça doit être marrant de le faire quand même. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de le faire. Je me lancerai un live et je ferai Spaceland, donc le secret Spaceland, en totalement glitché avec le freeze, quoi. Donc ça me tente très bien d'essayer de faire ça un jour, tu vois. Donc voilà. Alors j'espère que mes explications auront été assez claires. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous dire, hein, tout simplement. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer et faire connaître ce glitch. Donc il est toujours pas patché, hein. C'est un glitch qui existe depuis un petit moment déjà, peut-être au moins 3 semaines je crois. Et il est toujours pas patché. Donc moi j'avais pas réussi à le faire, donc j'avais pas pu vous le présenter. Et TrashDead m'a expliqué, et Hugo aussi voulait m'expliquer comment le faire, parce qu'apparemment c'est faisable et c'est réalisable. Mais bon, moi j'avais essayé à la façon américaine en rejoignant des joueurs en multi, tchic-tchac. Donc c'était le bordel pour moi. J'avais pas réussi. Et là avec la technique que TrashDead m'a donné, donc en rejoignant les joueurs en partie publique, et puis en les re-rejoignant quand ils sont disponibles, et puis lancer la partie comme ça, après ça a fonctionné. Donc il m'a fallu 2-3 essais, non il m'a fallu quand même 10 essais, même plus. Et il y a même un essai où j'ai réussi à faire le glitch, et j'étais... il n'y avait pas le zombie qui spawnait là, donc à la manche 1 il n'y avait pas le zombie qui spawnait. Et en fait il n'était pas marqué « l'autre ne répond pas », il était marqué « la partie est complète ». Donc je ne pouvais pas... donc voilà, c'était pas « l'autre ne répond pas », donc c'était un autre message, donc ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, et il faut absolument qu'il mette « l'autre ne répond pas ». S'il met « l'autre ne répond pas », c'est bon, c'est faisable. Donc c'est que vous avez réussi. Mais bon, ça va être question rapidité, il faut être rapide, il faut vraiment quitter... faut essayer de le rejoindre, puis quitter directement, et puis lancer la partie en solo, quitter la cinématique directement, passer la cinématique directement, et puis après, si vous avez un message, l'autre ne répond pas, c'est dans la poche, c'est réussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, pour plus de vidéos les potos, allez, ciao. Peace. Yummy, bruh.